Danaï, le président de la République, Son Excellence Paul Biya, est venu en aide aux populations de Yagua victimes des inondations. 350 millions de francs CFA, c'est la somme décaissée pour 200 000 sinistrés, soit 1 750 000 francs à chacun de ces sinistrés victimes de cette catastrophe naturelle. Que vous inspire ce soutien du chef de l'État? Au micro d'Écho 237, écoutons l'avis de l'homme de la rue. Que pensez-vous du soutien du chef de l'État qui est venu en aide aux populations de Yagua? Pratiquement 350 millions de francs pour les secourir, pour les venir en aide. Ben déjà, c'est le rôle du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper de tout ça. Et faut-il savoir si c'est l'argent qui vient de la poche du chef de l'État ou bien c'est la sort du trésor public. Et si ce n'est pas lui qui va le faire, qui doit le faire? C'est un devoir régalien. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour, bonjour madame. Alors, que pensez-vous du don du chef de l'État qui a débloqué 350 millions de francs pour venir en aide aux populations de Yagua qui sont victimes des inondations? Moi, je trouve ça très, très intéressant pour, et même mes félicitations pour le chef de l'État qui reconnaît sa population en difficulté. Est-ce qu'elle est conséquente, le soutien du chef de l'État? Pour les conséquences. Est-ce qu'elle est conséquente? Est-ce que la somme de 1750 francs, vu le coût de vie élevé au Cameroun, est-ce qu'elle est conséquente? Est-ce qu'elle peut réparer les dommages? Oui. Ça ne vaut pas la peine. Disons que ça ne peut pas servir un peuple camerounais. C'est minable. Mais pourquoi ne pas résoudre directement le problème? Pourquoi ne pas s'attaquer directement au problème? Quel est le problème d'inondation dans l'extrême nord? Pourquoi La population qui doit s'attaquer? Ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je parle de l'État, au lieu du gouvernement, au lieu d'apporter cette aide de cette façon. Pourquoi le gouvernement ne peut pas directement résoudre avant d'attaquer directement sur le problème d'inondation, il fallait qu'il agisse d'abord de cette manière, avant de prendre le temps pour réfléchir, qu'est-ce qu'il peut faire pour l'avenir. C'est humaniste, vraiment le bon cœur du chef de l'État, comme il a toujours été. Moi j'encourage, parce qu'il vient toujours au chevet des sinistrés, et c'est ce que nous attendons du chef de l'État, vraiment. C'est ce que nous attendons de lui. Okay, est-ce que cette somme-là est conséquente? Est-ce que ça peut véritablement réparer les dommages et intérêts causés par l'inondation? Vous savez, quand mieux vaut avoir quelque chose que de ne rien avoir. Déjà, avoir le peu là, c'est déjà bon. L'idée de l'avoir, l'envie, le vouloir, c'est déjà important. Vous voyez, déjà penser à donner quelque chose, c'est pour qu'il ne peut rien donner. La bienvenue, ça va quand même aider au ménage de survivre en attendant les réparations. Non, on ne prévoit pas les catastrophes. La catastrophe, vraiment, ça arrive. Ça, on ne prévoit pas. Donc, quand ça arrive, il faut agir. Et vraiment, c'est de bon ton. La réaction prompte du chef de l'État est la bienvenue. Vous savez, il faudra d'abord identifier. Parce qu'il y a eu des malades, il y a des blessés, il y a des morts. Vous voyez, il faut d'abord identifier et puis aller rationnellement, cas par cas. On souhaiterait que cela n'arrive plus, même comme ce n'est pas souvent le cas. Nous, l'homme prévoit et Dieu propose et Dieu dispose. Ça arrive, mais c'est malgré nous, c'est par-devers nous. Bon, et ces actions-là sont pour aider ces sinistrés, pour ce cas d'exemple. Et c'est très salutaire comme action pour le chef de l'État. Donc, c'est tout ce que je peux dire là maintenant pour le moment. S'il y a une autre question, il n'y a pas de... Bon, mais je crois quand même que c'est pour parer au plus pressé. Et il faut aider les gens pour les denrées et de première nécessité. Bon, c'est fait un peu à la va-vite, mais je crois qu'il y aura une étude après ça qui pourra élever ces gens et les aider un peu plus. Mais au regard de la vie chère au Cameroun, 1750 francs CFA va revenir à chacun des sinistrés. Est-ce que vous pensez que cette somme est conséquente au regard de la vie chère? Est-ce qu'on peut dire que cette somme-là peut véritablement aider les Camerounais, la population de Yagua? Non, mais ça, c'est... Ça ne peut pas vraiment aider les gens, parce qu'au vu du coût de la vie, qui est dans une ascendance qui ne dit pas son nom, c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà un geste de magnanimité envers le chef de l'État qui peut continuer à faire plus. Madame, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait vraiment rire. Malheureusement, je pense que quand l'État octroie de l'argent pour des trucs inutiles, avec des sommes faramineuses,
c'est vraiment malheureux. Parce que quand vous comptez 350 millions divisé par le nombre d'habitants qui en souffrent aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des familles qui vont s'en sortir avec 10 000 francs CFA. C'est vraiment malheureux. Ça, c'est mon point de vue. C'est dommage. Donc, je pense que c'est pour se moquer des gens. Il y a des gens dans notre gouvernement qui mettent l'État en avant. Ça, c'est mon idée, hein. Ça, c'est mon point de vue. Il y a des gens qui mettent l'État en avant et pourtant, c'est eux qui ont dépensé cet argent personnel. Et c'est malheureux de dire et de me citer le nom de l'État parce que moi, je ne vois pas le choix de l'État en train de sortir 350 millions pour une population de plus de 10 millions d'habitants. Ce soutien du chef de l'État est diversement apprécié par les uns et les autres, comme vous pouvez le constater dans ce micro-trottoir. Rappelons que cette catastrophe a fait une dizaine de morts, des déplacés et d'importants dégâts matériels. C'est ici que nous mettons un terme à cet autre numéro de Ce que pensent les gens, réalisé avec le concours de Thierry Kuaté. Je suis Jenny Caillou à la présentation. À très bientôt. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.